les amis, c'est MM Simulator. On se retrouve pour une petite vidéo sur Need for Speed Shift 2, si je ne me trompe pas. Pour une petite vidéo vite fait, entre parenthèses, sur. En gros, on va faire un petit tour de piste, deux petits tours. Aujourd'hui, le désert est au programme. Tu dois mettre la pression dès le début de la course. Voilà. Mais méfie-toi des virages directs qui précèdent la ligne d'arrivée. Bonne chance. Donc on va se faire un petit tour ou deux. Et hop, donc ça sera plus simple. Bon, ça cache un peu peut-être. Passe bien, premier virage. Allez. Ah oui, parce qu'en gros, le volant est mal configuré parce que j'ai enlevé le combiné. Oui. Donc, hop, je vais le mais. Même classe, donc auto. Annuler. Option. Réglage commande. Voilà. Et maintenant, je peux reprendre, refaire une course. La même. Je ne connais pas du tout ce circuit, faut le savoir. Par contre, vous ne devez pas tout à fait voir parce que j'ai mis mon micro devant, donc je ne peux pas voir grand-chose. Voilà. On est bien. Donc mon volant est en 180 degrés pour plus de facilité pour moi pour tourner le volant. D'ailleurs, c'est un peu compliqué avec le. Allô, putain, mais ça commence à me briser ça aussi. Ah, comment perdre du temps, c'est facile, il suffit de pas préparer sa vidéo. Non, en fait, elle était prête parce que c'est pas la première fois que je joue à ce jeu. Mais avant, j'étais en combiné, mais Forza ne veut pas jouer en combiné. Et il commence à me casser les... Non. Ouais, c'est F. Voilà. Prenez, reculez. Donc faut savoir que je suis, je me suis mis en boîte manuelle et boîte séquentielle, donc avec les palettes. Et donc avec les palettes. Donc je vais devoir gérer les vitesses et tout le bordel. Donc je m'en suis pas trop mal sorti tout à l'heure, surtout sur celui-là, mais c'était pas sur ce circuit. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Tac tac, donc j'espère que ça va bien rendre. Non, cette fois ça devrait être bon. Allez, putain, mais l'accélérateur, bordel de merde! Putain! Bon. On va se faire un ou deux trucs qui vont changer la donne. Parce que ça commence à me les briser menu. Hein. Bon, c'était pas prévu tout ça. J'espère que vous me pardonnez. Donc, ah mais pourquoi je suis en combiné? Ouais, si je suis en combiné, c'est normal que ça passe pas. Du coup. Voilà, c'est tout bon. Ok. Donc allez, on reprend le rapide. En sachant que moi, en plus, dans mes oreilles, j'ai un son pourri. Parce que j'utilise Voice Meter, en fait, qui est un logiciel de mixage audio. Et... Allez, respire un grand coup. Concentre-toi et joue la gagne. Allez, on est parti, On est parti.
Et donc j'ai une BMW série 4, il me semble. Si je me trompe pas. De toute façon. Aïe, aïe, aïe. Donc un petit accident. Non, je vous dis, la course sera pas ouf. Hein. Donc, bien sûr, ma voiture est modifiée un peu parce que c'est pas une voiture officielle. Ok, donc un petit gros accident. Bon, heureusement on a deux tours, on peut rattraper encore quelques places. Et je connaissais vraiment pas ce circuit. Le jeu, concrètement, je vous dis, j'ai pas beaucoup joué ce jeu. Parce que j'ai que 2 heures de jeu, je crois, sur ce jeu. Et j'ai jamais joué avant, je crois. Mais comment ça, premier ralentissement, j'ai rien fait du tout. Ça sert à rien de tourner trop le volant, tac tac. Wow. En sachant que j'ai un retour de force qui est pas amplifié mais remis par en plus par Need for Speed. Tac. Heureusement que mes trucs c'est que esthétique. Les dégâts parce que sinon ma voiture serait morte je pense. Aïe. Mais arrête putain tu tues. J'ai plus perdu du temps que j'en ai gagné sur cette espèce de raccourci. Non, pas deux fois, pas deux fois. Voilà. Sur la caméra depuis tout à l'heure. C'est dommage, voilà. Mais t'inquiète pas, la prochaine fois sera la bonne. On a fait les deux tours, c'était pas top. Oula. Bon, on a fait pas grand chose, mais pour moi c'était déjà pas mal. Tant n'est pas valable. Est-ce qu'on se refait une tentative? Allez, on se refait une tentative, parce que là je connais maintenant le circuit. Donc ça devrait aller légèrement mieux comme vous avez vu un peu sur la fin. Ça allait déjà mieux on va dire sur la fin du circuit. Donc voilà. Donc on va essayer de se concentrer un peu, bien sûr pour moi. Donc essayer de me transférer de la concentration. On va essayer d'y arriver. Donc je suis toujours avec mon volant G27. C'est vrai que je m'en suis pas souvent servi en vidéo.
centre, on va y arriver. Ok, donc on voit que c'est vraiment assez différent entre le premier tour et le deuxième. Et le deuxième, au final. Circuit, donc il m'a fallu un ou deux tours de repérage. Hein, donc les deux trois premiers tours m'ont fait voir là où il y avait fallait vraiment que je freine, etc. etc. Et puis après, je pense que sur les deux trois autres tours, j'ai vraiment fait le café parce que final, le pourquoi que non, parce que j'ai eu tous les toutes les galères, non, à peu près même 6 minutes, 4-5 minutes pour le premier tour. Et 4-5 minutes aussi pour le deuxième. Et au final, ça s'est bien terminé le deuxième. Donc voilà. Bon, donc on va se laisser là pour cette vidéo. Parce que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Parce que pour moi, il est assez tard. Il est pas loin de 23h, peut-être 22-23h. Et ça commence à être assez tard. Surtout que j'ai travaillé ce matin un peu. Donc voilà. Je veux dire, je suis un peu KO. J'ai envie de dormir. Et il va falloir que je range tout le bordel derrière. Et partout en fait. Pas que derrière. Partout. Et donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, c'est MM Simulator, je vous dis ciao ciao.